bien. Alors tout de suite, alors c'est peut-être un petit peu abstrait pour certains d'entre vous, qu'est-ce que ça veut dire proposer jazz comme service en ce lieu. Et bien, on va développer ce point, on va vous présenter, revenir sur le principe de la téléprésence mobile, et puis vous présenter les améliorations toutes récentes qui ont été faites sur jazz, donc jazz nouvelle génération, jazz 2. Et c'est Jean-Christophe Bailly, président et fondateur de Ghostyle, qui va nous présenter cette nouvelle version. Jean-Christophe. Merci Julien, un grand merci à Eurosite qui nous accueille, c'est vraiment un lieu extraordinaire, et merci à vous tous d'avoir pris le temps de venir, de découvrir ensemble cette nouvelle version de Jazz. Alors, avant de parler des fonctionnalités de la nouvelle version de Jazz, je vais parler d'abord de ce qu'est Jazz, à quoi ça sert, peut-être certains d'entre vous ne savent pas. Et puis même avant de parler de ça, je vais essayer de replacer un petit peu ce sujet dans un cadre encore plus général, qui est le cadre des smart machines. Alors, on ne dit pas robot, nous on n'utilise pas ce mot, on a inventé le mot smart machine, bon c'est pas un mot très intéressant, c'est juste pour signaler la différence de ce type de machine qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui. Alors, des robots, on va être capable de les fabriquer très bientôt, ces robots auxquels vous pensez dans la science-fiction, qui nous assistent tous les jours, qui nous font à manger, qui vont sortir le chien, etc. Ça, on va le faire, mais pas tout de suite. Je ne sais pas combien d'années il va nous falloir, c'est un défi technique et scientifique, mais aujourd'hui, là maintenant en 2012, ou en 2011, dès l'année dernière, on est capable de faire des machines un peu intelligentes, un peu astucieuses, ce qu'on appelle des smart machines. Alors concrètement, voilà des exemples de smart machines que vous avez peut-être déjà vus, des aspirateurs automatiques, des drones, des outils d'inspection, de déminage. Jazz en fait partie. Et moi, je vois en fait ces smart machines comme la continuation d'une histoire que j'essaie de retracer là. C'est en fait l'histoire des ordinateurs, des machines de plus en plus sophistiquées, qui sont d'abord fixes, puis mobiles, puis connectées, puis des smartphones. Et aujourd'hui, on passe encore une étape supplémentaire, puisqu'on va donner à ces machines, bourrées de processeurs, de capteurs, et tout ce que vous voulez, on va leur donner une capacité d'autonomie, d'interaction, de mobilité. Ça, vous n'avez encore jamais eu aujourd'hui, alors, sauf dans des domaines industriels très précis. Enfin, je parle là, maintenant de machines qu'on va pouvoir trouver dans le commerce, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et demain dans le grand public. Bien donc, ces machines sont capables de se déplacer toutes seules, d'avoir une certaine mobilité par elles-mêmes, de faire certaines tâches, d'être capables d'analyser leur environnement pour prendre des décisions. Et c'est ça ce qu'on appelle des smart machines. Alors, ce n'est pas forcément les machines qui vont vous repasser le linge et vous faire à manger ou sortir le chien, mais c'est déjà des machines extrêmement utiles. Si on regarde la question intéressante, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui pour voir l'apparition de ce type de machine? Vous savez, dans l'historique que je vous ai montré, pourquoi on est à cet endroit-là? Moi, j'ai identifié quatre raisons. La première, c'est que, globalement, vous l'avez vu, hein, les prix des matériels électroniques baissent, parce qu'en fait, il y a des économies d'échelle qui sont réalisées, et on a accès aujourd'hui à des processeurs, des batteries, des moteurs, des caméras, à des prix qui rendent ce type de produit accessible. On pouvait déjà faire jazz il y a 10 ans, mais il fallait un réseau privé sans fil, probablement militaire. Il fallait probablement dépenser pas loin de 500 000 euros pour avoir les pièces détachées qui constituent Jazz. Et donc, c'était tout simplement pas un produit. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ce type de machine à des prix acceptables. On a également fait des progrès très importants en traitement du signal. Parce que quand on dit interagir avec son environnement, ça veut dire qu'on est capable de le percevoir, d'entendre de la voix. Vous avez tous entendu parler de Siri. De traiter l'image. Aujourd'hui, on est capable de reconnaître un objet dans une image, reconnaître des visages, de faire de la localisation, c'est-à-dire de savoir où se trouve la machine à partir d'une donnée d'un plan et de perception de son environnement. Ben, si vous voulez, si vous n'avez pas ces fonctionnalités-là, ben, faire une machine interactive avec laquelle avoir l'autonomie, etc., vous ne pouvez pas faire. Vous avez quelque chose de complètement prédéterminé qui sait, je sais pas, la machine à café, par exemple. Donc vous avez besoin de ce type d'amélioration, il y a eu des progrès réellement bluffants dans les 10 dernières années. Donc pareil, si on se replace 10 années en arrière, il y a énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire et qu'on peut faire maintenant. On a aussi un environnement technologique beaucoup plus mature, il y a du Wi-Fi, c'est standard, il y a du broadband, c'est standard. Sans ça, on ne peut pas faire jazz, parce qu'il est connecté en Wi-Fi, puis derrière, il faut une connexion Internet décente. Donc bah, il y a 10 ans, ce n'était pas possible non plus. Et puis globalement, je pense qu'aujourd'hui, on a un environnement où les gens sont un peu plus familiers d'innovation, un peu plus
habitués à avoir des changements technologiques rapides et fréquents. Et donc, je pense qu'il y a un climat, je dirais, favorable pour l'adoption de ce genre de technologie. Parce que vous avez beau faire le meilleur appareil du monde qui résout tous les problèmes, si le marché n'est pas prêt parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il considère que ce n'est pas le bon moment, vous n'allez pas réussir à en vendre. Donc il faut avoir aussi cet aspect-là, cette dimension marché. Donc ce marché des smart machines en général, c'est un marché qui est promis un avenir impressionnant. Alors voilà, là je vous montre des chiffres qui changent tous les ans, qui sont certainement discutables, mais en tout cas, si on regarde toutes les études de marché auxquelles on a accès, tout le monde est d'accord pour dire que ça monte très vite et très très haut. On parle de 85 milliards en 2018 en termes de marché global pour toutes les smart machines, dont nous sommes une partie, hein, on ne couvre pas l'intégralité de ce marché. Donc on parle d'un fois 25 en 10 ans. Voilà, ça c'est les chiffres officiels mis en avant par le syndicat de la robotique française, enfin le syndicat de la robotique de service, qui s'appelle Cirobo, et qui rassemble tous les acteurs français du domaine. Donc voilà, c'est assez excitant, ça donne envie d'y aller, c'est le bon moment, il y a des perspectives intéressantes, et vous allez voir, on va regarder ensemble, on résout des vrais problèmes. Donc c'est quand même la combinaison clé pour se dire on y va et on fait une entreprise, on lance des produits. Alors Gostai, deux mots, vraiment très très vite, parce que ce qui m'intéresse c'est surtout Jazz, c'est une société qui existe depuis bientôt 6 ans, qui a démarré dans le logiciel, qui continue d'avoir une activité importante dans le logiciel autour d'un système d'exploitation open source qui s'appelle Urbi et qui permet de rendre tous les robots compatibles. On a déjà une quinzaine de robots compatibles aujourd'hui. Et puis c'est surtout le lancement de Jazz, qui est cette machine qui sert à faire quoi ? Eh bien, je vais vous le dire, sert à faire de la téléprésence mobile. Alors, la téléprésence mobile, c'est un concept extrêmement simple. Vous connaissez tous Skype ou des systèmes Cisco qui permettent de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde à travers la caméra. Mais on fait la même chose, mais on ajoute en plus la mobilité. Donc, la capacité de déplacer cette caméra et donc de vous déplacer, bien sûr, de voir et d'entendre dans un lieu distinct comme si vous y étiez, et de vous donner une totale liberté de mouvement. Vous avez la mobilité, la liberté de vous déplacer sans qu'il y ait quelqu'un qui vous trimballe, c'est pas toujours pratique, il faut donner des instructions, ça marche pas. Et puis, vous avez aujourd'hui, de manière limitée, mais demain encore plus, de l'interactivité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, pourquoi pas, avec un bras, prendre des objets, interagir. On pense ajouter un pointeur laser, à un moment donné, pour pouvoir indiquer des objets dans l'espace aux gens qui sont du côté du robot. Et donc, vous avez une modalité, un type d'interaction qui est complètement différent de ce que vous faites avec Skype. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout de recouvrement, en fait, entre les types d'usages, à de très rares exceptions près, le type d'usage que vous allez cibler avec ce type de machine et avec Skype. Pour rêver un petit peu, puis pour donner des clés, des images, des métaphores, nous, ce dont on parle en ce qui concerne ce type de technologie, on parle de téléportation. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous êtes à l'autre bout du monde, vous appuyez sur un bouton, et vous vous téléportez dans un corps à l'autre bout du monde. Un corps d'emprunt, un corps robotique, un avatar, mais n'empêche que si on imagine que ce corps a suffisamment de capacité d'interaction avec son environnement, et que vous, de votre côté, vous avez des capteurs qui mesurent ce que vous voulez faire, et bien vous pouvez être représenté, projeté à distance à l'autre bout de la planète. Et ça vous a coûté 0 seconde et un coût modique sur l'intervention, enfin, il faut acheter la machine, mais vous n'avez pas le type de coût que vous avez sur les voyages, en temps, d'opportunité, etc. Donc c'est vraiment une révolution qui se prépare, et ce que vous voyez là, c'est vraiment les premières étapes. Dans 10 ans, je ne sais pas où on sera, mais ça risque d'être assez impressionnant, et de changer complètement la perspective qu'on a sur les voyages et l'interaction à distance. Donc voilà où on se situe, voilà où on veut aller, voilà la vision à long terme. Donc la téléportation, abolir les distances. C'est un des usages des smart machines. Demain, on peut avoir de plus en plus d'autonomie dans cette machine, c'est-à-dire que quand elle n'est pas utilisée par quelqu'un qui la pilote pour aller faire quelque chose, donc la téléportation, ben on peut imaginer des capacités d'autonomie ou de semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on va être capable de donner à la machine des instructions de plus haut niveau. Au lieu de piloter millimètre par millimètre, on lui dit « va dans la cuisine » ou « va à tel endroit » et il va tout seul. Donc on a une vision dans laquelle on va ajouter de plus en plus d'intelligence, d'abord pour permettre d'assister la personne qui contrôle, et pourquoi pas ensuite eh bien donner une intelligence complète à ces machines qui pourront remplir des tâches comme l'accueil ou des tâches de surveillance. On va en reparler et regarder ensemble ce que ça peut donner. Je suis là pour vous parler de Jazz 2. Alors Jazz 1, vous ne l'avez pas vu, mais c'est ce concept dans une première implantation. Et Jazz 2, c'est ce modèle que vous voyez là, avec quatre grandes innovations, enfin avancées sur les aspects techniques.
d'abord un grand angle pour la caméra. Vous l'avez compris, il y a une caméra qui est ici. On a un grand angle de 170 degrés, c'est très important pour bien percevoir l'espace et être capable de se déplacer facilement. Une image HD, donc de très bonne qualité qui permet de bien voir les détails. Un pointeur directionnel, donc c'est un peu barbare, je vais vous montrer une vidéo, vous comprendrez, mais c'est l'outil qu'on va utiliser pour déplacer Jazz. Alors là, on peut le déplacer avec les flèches, le clavier, mais c'est pas très pratique. Très rapidement, même si c'est intuitivement la première chose à laquelle on pense, c'est pas le mode d'interaction le plus pratique, parce qu'on passe son temps un peu sur le bouton, c'est pas sympa. Donc on a inventé ce pointeur directionnel, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et puis quatrième point, vous êtes, pour ceux qui sont arrivés en avance, vous l'avez peut-être entendu, on a un son HD extrêmement puissant, donc on a revu tout le système de son pour qu'on soit capable d'utiliser Jazz dans des environnements bruyants, comme des salons ou des usines, et donc on a un volume qui est potentiellement très élevé. Donc je dis, vous l'avez entendu, parce qu'il y avait Jean-Michel qui parlait, et je pense que c'était assez clair que le son est assez puissant. Alors, regardons en détail ces fonctionnalités. HD, low D, bon, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux images. Si on zoome un petit peu, ça donne ça. Ça donne un texte qu'on arrive à peine à lire, mais là, c'est un texte qu'on lit très bien. Dans un cas d'usage typique, on va montrer une brochure en quelqu'un. Personne vient, on dit « Ah tiens, ouais, qu'est-ce que c'est ?» Là, on montre le document. En HD, on est capable de lire ce qui est écrit, et donc c'est une fonctionnalité supplémentaire. Alors, ça consomme un petit peu plus de bande passante, mais on a quand même réussi à limiter ça à 200 kg par seconde, ce qui est un très très bon résultat. Ça veut dire que ça marche sans problème sur du broadband, sur des liaisons ADSL, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait modéré. Donc vous avez, on a derrière une techno qui permet de faire ça. C'est pas en standard. Et donc, vous avez cette qualité accessible depuis n'importe quelle connexion, broadband, et probablement de la 3G aussi. Deuxième point, le grand angle. Alors vous voyez sur cette image, c'est caractéristique de ce qu'on voit avec le grand angle aujourd'hui, et c'est le problème qu'on résout. Parce que passer une porte, là ça ne pose pas de problème, on voit bien la dimension de la porte, alors elle est un peu déformée, mais ça c'est pas grave, on n'est pas là pour prendre des photos, c'est pour naviguer. Donc on a une porte qui est un peu déformée, mais on voit bien l'intégralité de l'espace, et on a beaucoup plus de facilité à naviguer et à faire ce qu'on appelle le passage de porte. C'est un peu un test. C'est très très simple avec cette image et puis le pointeur qu'on va voir tout à l'heure. Avant, en mode, dans la caméra précédente, on aurait probablement à peine vu les deux côtés de la porte, si vous voulez, les battants. Et ça rend les choses difficiles parce qu'on ne sait pas se localiser dans l'espace. Or, quand on est sur ce type de machine, c'est un point extrêmement important. Là aussi, demain, on peut imaginer des progrès incroyables. Mais on pourrait avoir des lunettes devant vos yeux et vous avez une image, vous voyez, comme quand dans un simulateur de réalité virtuelle. On n'en est pas là. Mais aujourd'hui, on essaie déjà, avec un simple navigateur en web, donc vous n'avez pas besoin d'équipement particulier, de vous retransmettre une intuition de l'environnement autour de vous. Alors, regardons ce pointeur directionnel dont je vous ai parlé. Vous avez une vidéo. Alors, c'est assez simple. Vous cliquez dans l'image où vous voulez et vous poussez la souris dans une direction et vous allez voir ce pointeur qui apparaît. Et avec la souris, vous indiquez la direction de la flèche rouge. Voilà. Et avec la distance entre votre pointeur de souris et le point où vous avez cliqué, vous indiquez la vitesse. Donc vous pouvez contrôler la direction et la vitesse avec laquelle vous déplacez, très simplement avec ce pointeur intuitif. Alors on l'a vraiment testé avec plein de gens qui ne sont pas des experts, on a fait plein d'ajustements, de modifications pour que ce soit le plus naturel possible. Bon. Ultimement, c'est vous qui nous le direz, mais on a déjà testé ce pointeur pour s'assurer qu'il était ergonomique. Le rêve pour nous, c'est une interface. Le rêve, c'est une interface qui n'existe pas. Vous n'avez même pas conscience qu'une interface complètement naturelle. On ne peut pas encore faire ça. On va faire des outils pour lire ce qui se passe dans notre cerveau. On y arrivera aussi, sans doute. Mais pour l'instant, on est obligé d'avoir une interface avec une souris, etc. Et le but, c'est qu'elle soit le plus simple, le plus intuitif possible. Et idéalement, une interface sur laquelle vous n'avez pas besoin de lire un manuel. Donc, non seulement pour savoir comment elle marche, puis après pour l'utiliser et faire, par exemple, le passage de porte. Donc avec cette interface, vous avez une expérience utilisateur qui est bien meilleure que la version précédente. Et le nouveau système de son, donc il est plus puissant, du son très fort, vous pouvez l'entendre vraiment très loin. Vous pouvez faire des animations musicales très fortes aussi, dans l'événementiel par exemple, et on va vous entendre. Vous pouvez les synchroniser sur différentes machines. On a amélioré la suppression de l'écho qui maintenant ne nécessite plus de calibration, donc c'est fait de manière totalement automatique.
un problème fondamental, c'est l'écho, les serveurs Skype, etc. Donc on a un système qui fonctionne maintenant sans calibration. Donc c'est le système de son idéal, de notre point de vue, qui est puissant et qui ne nécessite pas de calibration, d'ajustement particulier. Voilà, c'était Ghostlight Jazz 2. Et avant de passer la parole aux différentes personnes qui vont vous expliquer ce qu'ils font de jazz dans un hôpital, ou pour l'aide à un maintien à domicile de personnes âgées, ou pour l'événementiel, alors vous allez voir pas mal d'applications, pas mal de gens qui vont vous expliquer ce qu'ils font concrètement avec jazz. On va regarder d'autres applications qu'on va pas voir aujourd'hui mais qui existent. Je vais vous en montrer quelques-unes, voilà, pour vous donner une idée maintenant des cas d'usage. Alors la question fondamentale, c'est ok, c'est une techno assez sympa, mais on s'en sert pour quoi faire, et est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça sert? Bon. Encore une fois, je vais laisser la parole assez rapidement aux gens qui s'en servent vraiment, à nos clients, mais je vous donne un petit peu une perspective, parce qu'on n'a pas pu le faire venir tout le monde, de ce à quoi ça peut ressembler. Donc d'abord, nos clients, ils sont très diversifiés. Je ne vais pas détailler ça, mais on a des gens dans la sécurité, dans le médical, dans la communication, et puis, de manière générale, des gens qui s'intéressent à la téléprésence en général. Donc c'est assez varié, et pour l'instant, c'est assez en phase avec l'idée que c'est un outil de télécommunication. Donc il n'est pas ciblé sur un usage particulier. Qui utilise le téléphone aujourd'hui? Tout le monde. Donc c'est un peu la même idée. C'est qu'on a un outil qui permet de communiquer à distance et on pense qu'il aura des applications dans la plupart des industries. Alors on se concentre quand même sur un certain nombre de sujets aujourd'hui. Par exemple la collaboration à distance. Là on est dans le télétravail. Hein. On a des collaborateurs qui sont distants et qui veulent travailler ensemble. Alors, ils peuvent faire des appels Skype. Mais bon, c'est assez formel, c'est assez cadré un appel Skype. Et là, vous avez une possibilité d'interagir de manière beaucoup plus informelle, en fait. Vous avez quelqu'un qui arrive, ah tiens, comment ça va? Vous pouvez même aller à la pause café ensemble. Enfin, ouais, il y a une notion de présence qui est complètement différente de ce que vous avez avec un coup de fil ou un appel Skype. Donc là, voilà, typiquement une réunion, la personne participe, on lui montre un document. Si ça se trouve, ils vont se déplacer pour aller voir quelque chose un peu plus loin, etc. Vous voyez cette notion de télétravail qui règle un problème identifié du télétravail aujourd'hui, qui est le sentiment d'être coupé de son équipe, de ne pas être présent, de ne pas être immergé. Donc là, on pense qu'il y a des choses assez intéressantes à faire. De manière générale, on peut avoir du contrôle et de la maintenance à distance. En fait, vous avez un expert que vous voulez projeter à distance. Alors, pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est prendre l'avion ou le train. Et là, vous avez la possibilité de lui donner accès, par exemple, à une entreprise où il y a des chaînes de production. Et si la panne, par exemple, ou le problème X ou Y qui fait qu'il a besoin de se déplacer peut être réglé visuellement, alors il a une chance, peut-être une fois sur trois ou une fois sur quatre, d'éviter son déplacement. Donc, et il a la totale liberté de se déplacer, y compris dans des environnements dangereux, y compris dans des environnements interdits à l'homme, y compris la nuit, y compris quand il n'y a personne, etc. Donc il est totalement libre d'aller sur place faire son travail d'expert. Autre exemple, le télémanagement. Bon, c'est un peu le pendant du télétravail, mais pour les cadres. Donc vous avez la possibilité de... Vous êtes dans un aéroport ou à l'autre bout du monde, un voyage d'affaires, mais vous pouvez vous téléporter dans les locaux de votre compagnie pour aller discuter avec les gens, voir comment les projets avancent, pour faire du management, en fait, mais à distance. Et avec une capacité de présence, encore une fois, qui est complètement différente de « je donne un coup de fil pour demander comment ça va ». C'est pas du tout la même interaction, parce que dans ce cas-là, vous avez vraiment la personne qui est présente, qui fait son tour dans le bureau, qui tourne la tête à droite, à gauche, qui salue, qui discute. Donc on a là aussi, un peu comme dans le télétravail, quelque chose d'une modalité de communication différente qui rend la chose particulièrement intéressante. La levée de doute dans le cadre de la sécurité, vous avez une alarme dans un lieu qui est protégé, vous voulez savoir ce qui se passe, mais vous pouvez envoyer cette machine pour aller regarder ce qui se passe. Ça coûte moins cher que d'envoyer un gars que vous payez, qui d'ailleurs ne peut pas tout le temps entrer, parce que les locaux ne sont pas forcément accessibles. Donc là, vous avez un outil qui vient complémenter un système d'alarme classique en vous permettant de faire de la levée de doute. Donc allez voir ce qui se passe en cas d'alarme. Puis après, vous décidez, vous appelez la police, vous intervenez, ou alors c'était une fausse alerte. Et donc vous pouvez économiser de l'argent en n'envoyant pas forcément quelqu'un. Autre exemple. On vient d'en parler un tout petit peu, mais c'est l'événementiel, la promotion. Vous avez un capital sympathie pour jazz qu'on a pu observer et qui est très fort. Voilà, c'est des exemples sur je ne sais plus quel salon. Voilà, les gens immédiatement s'approchent, ont envie d'interagir, ont envie d'écouter. Et donc si vous voulez transmettre des messages, si vous voulez avoir quelque chose qui vous différencie, qui vous donne une certaine couleur, soit amusante, soit techno, vous avez quelque chose qui est parfaitement adapté.
et qu'on peut customiser un petit peu en mettant un plateau qui distribue des choses, ou qu'on peut également on peut changer les couleurs et l'adapter à la à votre société de telle sorte qu'il soit votre représentant. Et derrière, vous pouvez avoir une personne en charge du pilotage pour interagir avec les gens. On a même fait des versions semi-automatiques qui détectent les visages et qui délivrent des messages dès qu'ils voient quelqu'un arriver. C'est une chose qu'on sait faire. Voilà. L'accueil et la réception. Ben, si vous voulez, c'est un peu l'idée que quand vous avez une réceptionniste qui, sur un site, n'est pas nécessaire toute la journée parce qu'il n'y a pas suffisamment d'influence, ben, vous avez un problème parce que ça coûte plus cher que ça n'est nécessaire. Vous pouvez imaginer avoir plusieurs sites et une personne qui finalement, je parlais tout à l'heure de téléporter un expert, là ce que vous faites c'est vous démultipliez un expert. C'est-à-dire la personne qui est en charge de l'accueil peut intervenir sur N sites différents. 5, 6, je ne sais pas, ça dépend de la fréquentation, mais vous pouvez démultiplier la présence d'une personne sur différents lieux. Bon, pour faire de l'accueil ou de la réception. Voilà, j'en ai fini sur les quelques cas d'usage qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui en détail.